Bonjour, je vous présente ma machine de mortise. Donc c'est une machine, enfin je l'ai réalisée, j'ai mis 3 mois pour faire ça. Et donc ça fait plusieurs fois, pas mal de temps que j'ai pas refait des vidéos. Donc j'ai décidé de m'y remettre. Et j'ai dit pourquoi pas faire quelques vidéos sur les figurines que j'ai peintes. Là c'est vraiment très récemment quoi, ça fait je crois que j'ai joué dernièrement. Bon, là, il manque le flocage, mais j'ai pas encore trop l'inspiration pour flocage. Donc voilà. Donc en fait cette figurine c'était très mal parti en fait au début. J'avais pas trop d'idées. J'avais pas forcément envie de peindre non plus comme les autres. Je jouais avec des couleurs vertes, avec de l'encre et tout, c'est très joli, mais moi j'avais envie d'avoir mon propre style enfin, par rapport à cette figurine. Parce que je peins rarement les figurines pareilles par rapport à l'armée, un pote à moi, là, des rois des tombes, que vous verrez bientôt. D'abord, je vais refaire une vidéo avec un pote, on va faire une grosse bataille encore à 3000 points. Et donc, ça sera l'occasion de revoir cette machine de mortise. Voilà. Donc, je m'approche pas trop près parce que j'ai fait plusieurs vidéos et puis quand j'ai vu les résultats, on voyait pas grand chose. Trop près en fait c'est tout flou quoi. Donc je vais rajouter des photos comme ça sera plus intéressant. Voilà, c'était vraiment pour montrer la figurine voilà que j'ai réalisée. Alors pour les encres, j'ai en fait utilisé 2 fois des encres sur le personnage. Et après sur les banshees, voilà. Qui sont ici. Bon, je vous montre les peintures que j'ai utilisées. Donc je vais mettre la machine de côté. Voilà. Alors le temple Guarblou. On ne voit pas trop, mais je remettrai une photo des peintures que j'ai utilisées. Donc ça là je m'en suis servi, mais je me suis servi plus de sa, si on peut dire, de sa sœur. Voilà. Qui est du Lotern Blue. Donc celle-là je m'en suis beaucoup servi. J'ai essayé de mélanger un peu les deux quand même, que pour la fois un effet un petit peu différent. Après j'ai utilisé du Agrat Artist Shade, ou l'anglais je suis pas super fort, et après le Rhino Ride. Voilà. Et vous aurez la photo voilà à la fin de la vidéo. Bon, j'espère que ça vous aura plu, et puis je vous dis à une prochaine fois pour une autre vidéo. Merci, au revoir.